L'ordre alphabétique L'alphabet contient 26 lettres rangées dans cet ordre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Les 6 lettres qui peuvent se prononcer seules s'appellent des voyelles A, E, I, O, U, Y. Les vingt autres lettres qui ne peuvent être prononcées toutes seules s'appellent des consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Les lettres de l'alphabet sont toujours rangées dans le même ordre. C'est ce qu'on appelle l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique est utilisé pour ranger, classer, ordonner. Il sert à faire des listes organisées, comme dans le dictionnaire par exemple. Pour ranger des mots dans l'ordre alphabétique, je regarde d'abord la première lettre ou l'initiale de chaque mot. Et c'est en fonction uniquement de la place de cette lettre dans l'alphabet que je classe les mots. Par exemple, ⁇ abeille est avant ⁇ papillon ⁇ parce que ⁇ A est avant ⁇ P ⁇ dans l'alphabet. Si des mots commencent par la même lettre, je regarde alors la deuxième lettre de chaque mot. Et c'est grâce à cette deuxième lettre et sa place dans l'alphabet que je classe les mots. Par exemple, Lion est avant loup parce que I est avant O dans l'alphabet. Si les deux premières lettres sont les mêmes, je compare alors la troisième lettre de chaque mot, et ainsi de suite. Par exemple, Chat est avant chien parce que A est avant I dans l'alphabet. Que dois-tu retenir de cette leçon sur l'ordre alphabétique Les 26 lettres de l'alphabet sont toujours rangées dans le même ordre. C'est ce qu'on appelle l'ordre alphabétique. Pour classer des mots dans cet ordre, on compare d'abord leurs premières lettres. Si elles sont identiques, on compare alors leur deuxième, puis leur troisième lettre, et ainsi de suite.